The fluxus mentality that I practice is always by chance of the come si degli incontri. È un ogni volta è il caso che crea l'opportunità e questo è molto fluxus. Of course, when you look for stuff, you can't find. Alors ça, c'est la toute première exposition dont je t'ai parlé, Ambiente, avec les artistes Urban, André Tompkins, un artiste intéressant, Hugo Sutter, Spurry, voilà. Après ça, j'ai fait donc le centre d'art avec des œuvres, des performances, John Jonas, ça c'est Bob Wilson, Lucinda Childs, Laurie Anderson, là, ça c'est une première. Festival de vidéo, musée ici. Après, il y a eu tout un côté photographie. Balthasar Burkhardt. Et ça, c'est Cindy Sherman, les premiers. Et on a beaucoup changé d'espace. Chaque fois, on devait changer d'espace. On n'avait jamais un lieu fixe. Mm-hmm. Alors, cette histoire de ne pas avoir de lieu fixe, finalement, ça m'est devenu une sorte de style. Et maintenant, je ne peux plus avoir de lieu fixe. Ça m'embête. Quand cette génération on a commencé, on imaginait que l'art pouvait changer le monde. Tandis qu'en travaillant avec le temps, j'ai compris que l'art ne change pas le monde, mais l'art, c'est un instrument d'awareness. Il y a eu en 1989, à Paris, une exposition qui s'appelait « Les magiciens de la Terre ». Et c'était une exposition que Jean-Hubert Martin, après qu'il était à Berne, a préparée. Et c'était sur les artistes de tous les continents. Et ça a ouvert beaucoup la tête des gens. Et donc, il a créé le Hummus. Et après, moi, j'ai fait l'exposition Dialogue de paix, ici au Palais des Nations. Et là, il y avait aussi des artistes de tous ces continents. Donc j'ai commencé à entrer comme ça, doucement. Mais ils n'étaient pas... Bon, OK, il y avait artistes africains, artistes égyptiens et tout, mais ils étaient à la fois de leur pays, mais à la fois qu'on a... Et comme ça que ça ouvrait les portes. Et après, Art from the World a été créé. Art from the World, pour moi, c'est quelque chose d'assez particulier. C'est peut-être le travail le plus intéressant que j'ai fait parce que c'est né après toutes ces années d'expérience. C'est un projet de prise de conscience. Parce qu'on a trois volets, nous, dans notre concept. Il y a les expositions liées donc au discours que j'ai dit des droits de l'homme et tout. Il y a le cinéma, on produit beaucoup de films, on a produit depuis 2008 29 courts-métrages avec des cinéastes de différents pays. Et après il y a ce volet jeu avec le design, artistes, architectes et designers qui nous font des maquettes et selon le moment où on trouve l'argent, on construit. C'est une maquette comme ça. Les enfants peuvent monter, jouer et tout. Et il y a tous des objets poétiques. Il n'y a rien de plus extraordinaire que de voir les enfants jouer avec l'art. The art is healing. Ça, c'est un de mes grands sujets. J'ai des projets qui dorment encore en chantier. Mais maintenant, j'ai envie de beaucoup m'investir sur les choses de climate change et tout ça, faire de plus en plus là-dessus. Mm-hmm. J'ai travaillé presque tous les thèmes. J'ai travaillé avec l'OMS sur la santé, j'ai travaillé avec l'ONU sur la différence, j'ai travaillé sur les libertés d'expression, j'ai travaillé sur les femmes. Il y a plusieurs thèmes que j'ai travaillé qui m'intéressent parce que mon organisation est liée aux droits de l'homme à l'article 27. Mm-hmm.
L'article 27, c'est très simple. Il dit que tout le monde a le droit d'accéder librement aux arts et to enjoy, de prendre avantage. Librement, ça veut dire que peut aussi pas aimer et pas aller, mais de donner cette possibilité. Ça, c'est un droit. Ouais.